Merci à tout le monde. Nous remercions tous nos camarades ici présents. Comme vous pouvez le remarquer, c'est le mouvement Gnump Debout qui est ici présent avec vous. Ce n'est pas seulement la coordination de Gnump. Donc c'est tous les éléments de Gnump Debout qui se trouvent dans tout le département. Aujourd'hui, cette conférence n'est qu'un prétexte pour vous parler un peu de la coalition qui porte notre candidature et revenir sur le parcours de Gnump Debout et vous décliner notre programme. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la politique doit être basée sur la science et qu'on ne peut plus se permettre donc, de nous engager en politique par des discours ou par le verbiage. Il va falloir que tout ce que l'on fait en politique, que l'on puisse donc le consigner sur du papier pour que tout le monde puisse avoir accès à cela. Et Gnump Debout, fidèle vraiment à ses engagements, comme il avait promis à tout le monde, a bien confectionné son programme. Et il tient donc à le partager avec tout le monde. Mais avant cela, je vais revenir sur la coalition qui porte notre candidature, puisque vous avez remarqué que ce n'est plus la coalition Gnump Debout, mais plutôt c'est la coalition Djami Gori qui porte notre candidature. Cette coalition est une coalition nationale, portée par des intellectuels, des cadres, des hommes d'affaires, de tous les horizons qui viennent de partout à travers le Sénégal, qui ont constitué cela. Ce sont des jeunes cadres, des intellectuels, qui ne sont dans aucun parti politique. Donc c'est porté essentiellement par des candidatures indépendantes qui n'ont pas voulu entrer dans les coalitions des partis classiques. Cela se justifie pour deux raisons. Parce que d'abord, on veut garder notre caractère d'indépendant. Mais l'autre chose, c'est que fondamentalement, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire la politique où tout est dicté à partir de Dakar. Aujourd'hui, nous voudrions que ce soit les populations qui choisissent eux-mêmes la personne qu'elles souhaiteraient qu'ils leur dirigent. Et il faut savoir une chose, c'est que la politique devrait être en vérité le rendez-vous entre un homme et sa population, et non le contraire. Quand c'est un parti qui te choisit et qui t'envoie, ça veut dire que vous ne portez même pas la population que vous êtes censé diriger dans votre cœur. C'est parce que c'est le parti qui vous a mandaté et que vous êtes obligé donc d'aller faire de la politique. Certainement aussi que vous ne portez même pas cette commune-là dans votre cœur, mais c'est que c'est le parti qui vous a demandé d'y aller. Aujourd'hui, Gnump Debout résolument va renverser cette tendance-là où on part de la base pour aller vers le sommet. Il est hors de question pour nous que l'on s'engage dans un parti et qu'on vienne chercher donc les voix de nos populations. Et aujourd'hui, nous avons connu aussi et rencontré des jeunes qui sont dans la même dynamique et un peu partout. Il y a Djami Kaolack qui était dans une même dynamique, qui n'était pas d'accord avec ces programmes verticaux qui sont dictés à partir du sommet. Et que pour nous, aujourd'hui, il va falloir retourner et renverser la tendance. Et cela avait une coïncidence avec ce que faisait Gnump Debout, puisque nous, quand on lançait le mouvement en 2014, tout de suite, nous avons entamé des consultations. Et en rapport avec la commission scientifique, nous avons engagé un consultant qui a sillonné avec la commission scientifique tout le département pour recueillir les doléances, recueillir les avis des populations, et ce qui nous a permis de constituer un document phare qui sert pour nous de livre de chevet. Et c'est cela qui sera résumé dans ce programme-là que vous allez voir tout à l'heure. Et ce diagnostic-là était un diagnostic complet, qui était un diagnostic non seulement complet mais participatif, parce qu'on ne l'a pas conçu en dehors donc des sphères
dans lesquelles nous étions, parce qu'on est allé rencontrer les populations et on l'a conçu ensemble avec eux. Ce qui nous a permis d'avoir en tout cas une vision très claire de chaque secteur. Quand on prend par exemple l'agriculture, on peut tout de suite vous dire voilà les problèmes de l'agriculture dans le département de Gourom. Quels sont ses atouts et quelles devront être les solutions qu'il faut apporter pour redynamiser ce secteur-là. Et on l'a fait pour tous les secteurs. Et cela nous a permis d'avoir vraiment un document phare et on a vu qu'ailleurs les gens ont procédé de la même manière. Ce qui nous a permis donc d'aller vers une coalition d'ensemble et ce qui a donné naissance à Djami Gori, qui est une troisième voie. Parce que c'est fait exprès quand on a dit Djami, parce qu'il faut le savoir, parce que tout se construit à partir donc de la paix. Et le mot Djami en Wolof va au-delà même de la paix, que vous, la paix traduite en français, qui est l'absence de guerre. Il faut savoir que Djami en Wolof, quand on te dit Madjam Fanan, ça veut dire que ce n'est plus la guerre. Tu viens voir que Madjam, donc ça donne autre chose. C'est plus que la guerre, l'absence de guerre, mais c'est une quiétude, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous voulons tracer cette voie-là, où on n'est pas là, en face d'un pouvoir, pour tout ce qu'il fait. On dit que ce n'est pas bon, on rejette. Nous, on n'est pas dans ça, parce qu'on n'est pas dans l'opposition. On n'est pas aussi avec le pouvoir, parce que quand ça ne marche pas, nous, on ne manque pas d'occasion et on a toujours le courage de dénoncer et de dire que ça ne marche pas. Et voilà comment nous procédons aujourd'hui. Et nous avons pu constituer cette coalition-là avec nos amis donc de Kaolack, de Thiès, de Saint-Louis, de Dakar et de partout, qui aujourd'hui est un regroupement donc, de personnes indépendantes qui croient en leur population, qui croient en leur territoire, qui vraiment pensent que le développement peut bien partir donc, des territoires pour aller au niveau national. Je reviens rapidement aussi sur le parcours de Gourom Debout parce que aujourd'hui, le mouvement est implanté dans tout le département et nous avons présenté dans chaque commune un candidat. Ces candidats-là ont été portés par aussi des gens qui n'ont pas de coloration. Parce que Gourom Debout a été très méticuleux par rapport au choix des compagnons et des collaborateurs. Vous remarquerez par vous-même que vous ne verrez pas des politiciens professionnels autour de Boucal. Parce que si on voulait le faire, on l'aurait tout de suite fait. Mais on veut rompre avec cette façon de faire de la politique. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de la science. Parce qu'aujourd'hui, vous allez ailleurs, ce qui se fait ailleurs, c'est comme ça. On ne vient pas comme ça pour dire que je fais de la politique et on va parler. Il faut faire des choses qui sont concrètes. Il faut proposer des solutions qui sont soutenues par des arguments fiables et scientifiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce qui s'est fait aussi dans toutes les communes qui composent donc le département de Gourom. Gourom Debout quand même a eu un parcours très honorable alors que nous n'étions pas au pouvoir. Il y a de cela 3 ans que nous sommes sur le terrain et nous avons pu quand même faire des réalisations extraordinaires et presque dans tous les secteurs. Je vais commencer par la santé rapidement. Gourom Debout allant juste au lendemain donc, de son lancement avait organisé une consultation gratuite. Cette consultation avait sa particularité puisque ce n'est pas la première fois que les gens organisent des consultations gratuites. Mais ce qu'on a remarqué avec Gourom Debout, c'est que ce n'est plus la même chose. Nous avons offert à la population d'avoir la chance de rencontrer des spécialistes. Puisque nous savons que dans nos centres de santé, ici, sur place, nous n'avons que des médecins généralistes. Et que donc, nos populations n'avaient jamais eu la chance de rencontrer un gynécologue, un pédiatre, un ophtalmo et ainsi de suite. Aujourd'hui, Gourom Debout, l'effort qu'il fait, c'est qu'on amène plus de 15-20 médecins spécialistes qui viennent rencontrer les populations et leur proposer donc des solutions médicales. Voilà ce que nous faisons et
on amène assez de médicaments pour prendre en charge. Parce que ici, le vrai problème, parce qu'il faut comprendre aussi les problèmes de ton territoire, c'est que nous, nous sommes dans une zone où la précarité sévit. Donc évidemment, les gens, quand ils tombent malades, ils ont du mal à aller à l'hôpital. Ils gardent leur maladie et ils vont parfois se tourner vers la médecine traditionnelle avec toutes les conséquences qu'il y a avec. Et il faut leur offrir donc des chances de pouvoir rencontrer un spécialiste et leur offrir des médicaments. Et on ne se limite pas seulement à ça, puisque nous, tous les patients que nous suivons, ils sont fichés, ils sont suivis. Je crois que nous avons reçu les félicitations donc, du corps médical du département, puisque nous avons organisé ici un don de sang qui nous a permis donc de procéder à l'analyse donc de sang de beaucoup de personnes. On a découvert qu'il y avait des gens qui avaient donc le virus donc du sida. Et il était hors de question parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir. Ils voyaient tous les dangers qu'il y avait. Donc c'est Grombrou qui a permis donc qu'on puisse ficher toutes ces personnes-là et ils sont aujourd'hui suivis au niveau donc du centre de santé. Je crois que c'est des actions comme ça que nous menons et on ne s'est pas seulement limité à des consultations gratuites. Je crois que quand il y a eu la pandémie donc du coronavirus, nous étions les premiers à faire et d'ailleurs celle qui est fait un don consistant au comité départemental donc de lutte contre le coronavirus, ce qui leur a permis de toucher tous les points stratégiques et névralgiques donc du département pour essayer de stopper donc la propagation du virus à coronavirus. Voilà à peu près ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de la santé. Dans le domaine de l'éducation, je suis fort heureux de voir l'inspecteur ici présent. Il pourra le confirmer parce que on avait fait certaines actions sous son magistère pendant qu'il était IF de Goudomp. Et nous avons équipé, parce que quand on dit aujourd'hui que les élèves ne lisent plus, il faut d'abord au préalable que ces élèves-là aient des livres pour lire. Alors qu'on sait qu'il n'y a aucun établissement agronome qui a une bibliothèque. Et il n'y a pas de bibliothèque municipale. Aujourd'hui, c'est Grombe Debout qui a permis aujourd'hui à Grombe que l'on puisse avoir des bibliothèques. Et on a équipé tous les 3 CM et les lycées en bibliothèque. Et ça, c'est Grombe qui a permis cela. Et on ne l'a pas fait seulement à Grombe parce qu'on l'a fait aussi à Simbandé aujourd'hui. C'est des problèmes que nous vivons. Et Grombe Debout va proposer en tout cas un service. Parce que il faut noter que par exemple pour l'eau, il va falloir que l'on migre, que nous migrons vers la SDE. Parce que aujourd'hui, nous encourageons Azifor qui est en train de faire un travail remarquable, mais qui reste très limité dans son travail et que Grombe Debout doit aller. Et d'ailleurs, il y a des conséquences, puisque aujourd'hui, comme nous l'avons dit, il y a encore des gens qui utilisent des puits, puisqu'ils n'ont pas encore accès au système d'adduction d'eau courante. Et donc, de ce point de vue, les latrines, ce sont les latrines qui sont utilisées ici à Grombe. Or, les gens, quand ils construisent ces latrines-là, ils ne regardent et ils ne peuvent même pas comprendre quel est le sens d'écoulement de l'eau. Voyez-vous toutes les conséquences sanitaires que pose ce problème-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on aille, qu'on évolue vers la SDE qui va construire après un autre système qui permettra aux femmes donc de pouvoir, au moins d'éviter tous ces problèmes sanitaires que posent les latrines ici encore à Grombe. De façon ramassée, ce que je peux dire rapidement sur cet axe-là. L'autre axe, c'est le développement des connectivités, du sport et de la culture. Les secteurs du transport et de la communication ne sont pas développés du tout dans la commune de Grombe. Ils doivent être renforcés davantage pour permettre aux populations d'avoir une meilleure connectivité. En effet, aucune route interne de Grombe n'est goudronnée. De plus, les routes sont dans un état chaotique. Et voyez-vous ce que ça crée. Aujourd'hui, il y a des quartiers où une voiture ne peut même pas encore accéder. Et c'est complètement aberrant pour une capitale départementale. Ce que nous déplorons. Et nous pensons qu'il y a des choses qu'il va falloir encore faire
pour permettre aux gens donc d'évoluer. Le sport mérite d'être accompagné en termes d'infrastructures et d'encadrement qui répondent aux besoins des acteurs. Gounon mérite d'avoir un stade municipal multifonctionnel. La culture, qui est un levier de la cohésion sociale, a subi de profondes mutations. Avec la modernisation, plusieurs acteurs culturels ont disparu ou sont en phase de l'être, ce qui nécessite une réappropriation de certaines valeurs culturelles dans la commune eu égard leur apport au tourisme et à la stabilité sociale. Pour le quatrième axe, c'est la promotion de l'auto-entrepreneuriat. C'est un axe important à nos yeux parce que les femmes de la commune de Gounon s'activent dans plusieurs activités génératrices de revenus, le maraîchage et le commerce. Les revenus tirés de ces activités-là leur permettent de jouer leur partition aussi bien dans les charges familiales que dans l'essor économique de la commune. Le renforcement de leur dynamisme passe par la formation, l'encadrement et l'amélioration de leur accès aux ressources financières et l'accès du périmètre communal. Pour ce qui est de la frange jeune qui représente 69% de la population, la commune devra créer les conditions de meilleur accès à la terre, d'exploitation durable des ressources à travers ces activités génératrices de revenus et de promotion de l'auto-emploi. De ce fait, la collectivité devra aider à l'accès au financement, aux formations et aux encadrements adéquats. Cela permettra de mieux fixer les jeunes et de lutter efficacement contre l'exode rural et la migration clandestine. Vous savez, Gounon vit une situation assez particulière. Nous avons beaucoup de villages qui se sont déplacés dans cette partie-là. Les populations se sont établies à Gounon, alors que le périmètre communal ne dépasse pas 2 km d'ici. Les populations vivent et sont établies à Gounon, mais leurs villages ou les territoires dans lesquels ils étaient sont rattachés dans d'autres communes. Voyez-vous le problème que ça pose pour les Gounonpois qui aujourd'hui, dont une bonne population réside à Gounon, mais les champs dans lesquels ils travaillent n'appartiennent pas à cette commune-là. Et il n'y a pas de marge de manœuvre pour accompagner ces populations-là. Je crois qu'aujourd'hui, on est allé vers la communalisation intégrale. Et qu'avant, c'est les communautés rurales qui polarisaient plusieurs villages et qu'une commune restait fermée. Or, avec la communalisation intégrale, il va falloir que l'on revoie les frontières. C'est cela qui permettra aujourd'hui aux populations de pouvoir avoir accès à certaines terres et faire correctement certaines transactions. Aujourd'hui, eux, ils ne peuvent même pas procéder à des transactions foncières sur ces terres-là qui ne leur appartiennent parce qu'elles sont d'une autre commune. Voyez-vous, c'est très compliqué alors que Gounon étouffe. Et on doit la permettre parce qu'aujourd'hui, beaucoup de projets sont là, mais ne peuvent pas être installés parce que Gounon n'a plus de terres. Et Gounon ne peut plus donc s'étendre. Donc il y a encore des choses à faire et il faut renégocier les frontières de Gounon pour permettre donc d'asseoir une stratégie donc de développement. L'autre axe, c'est la protection de l'environnement, gestion rationnée des ressources naturelles et résilience au changement climatique. Cet axe stratégique est fondamental eu égard à l'importance accordée à l'environnement et au changement climatique, tant au point de vue local, national qu'international. En effet, pour offrir à sa population un meilleur cadre de vie, la commune devra mettre en place un système de gestion des ordures et d'évacuation des eaux usées et pluviales. En outre, les ressources naturelles méritent une meilleure gestion, car elles offrent à la population de bonnes opportunités environnementales, socio-économiques, culturelles. Les agressions dont elles sont victimes risquent d'amoindrir leur rentabilité et leur durabilité, d'où l'impératif d'y remédier. Par ailleurs, Gounon est vulnérable au changement climatique. La salinisation des terres, la disparition de la mangrove et l'irrégularité de la pluviométrie occasionnent une baisse des productions agricoles, halieutiques, etc., réduisant ainsi les performances économiques.
En tenant compte de cette vulnérabilité qui s'accroît de plus en plus, nous proposons la mise en place des stratégies durables d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. L'ampleur du phénomène nécessite des interventions concertées et participatives avec l'appui de l'État et des partenaires. En tout cas, vous aurez le développement donc, de tout cela. Le dernier axe concerne l'amélioration de la gouvernance locale et le renforcement des organisations communautaires de base. À Goudomp, la gestion des affaires locales n'est pas encore participative et inclusive. Les différents acteurs à la base ne s'impliquent pas dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement. Tous les débats d'orientation budgétaire, élaboration des plans de développement communaux, on note l'absence donc, des populations pendant l'élaboration de ces documents-là. On note un déficit de capacité ainsi qu'un faible dynamisme donc, des acteurs. Pour atteindre l'idéal fixé en 2027, il importe d'améliorer la gouvernance locale qui passera nécessairement par la formation des élus locaux, le renforcement des capacités des commissions, la redynamisation des comités de gestion, ainsi que la formation et l'encadrement. Donc voilà, de façon résumée, ce que nous avons consigné dans notre programme. C'est détaillé et on va vous remettre tout à l'heure ce document-là. Pour ça, il faut savoir que, peut-être que je vous ai lu le programme tout de suite, mais Groupe Debout estime qu'il y a des leviers sur lesquels il va falloir s'appuyer. Et c'est des impératifs d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons, en dehors donc de ce document, qui reste un document programme, nous avons confectionné un cahier de doléances que nous avons adressé d'ailleurs au président de la République. Vous savez, il y a un certain nombre de choses qui doivent nécessairement exister à Gnome pour amorcer le développement tant souhaité. Parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui quoi que ce soit sans la sécurité. Figurez-vous que Gnome n'a même pas une brigade de gendarmerie, une capitale département. Donnez-moi un exemple de département, capitale département qui n'a pas une brigade de gendarmerie. Ça n'existe nulle part. Il n'y a qu'à Gnome qu'on peut voir ça. Or, nous savons que nous sommes dans une zone à conflit. Comment pouvez-vous être dans une zone à conflit et qu'on n'ait même pas la sécurité? Regardez l'emplacement du camp militaire à Gnome, qui se trouve au cœur de la ville. Même si on avait des assaillants ici, ils n'auraient même pas tiré. Ce n'est pas normal. Et pour nous, il y a des impératifs. Même pour que nous puissions exécuter ce que nous avons consigné ici, il y a des choses que l'État doit faire. Et cela, nous le réclamons et nous continuerons à le réclamer. Et s'il faut qu'on fasse comme des jeunes de Kungel et autres, on le fera. S'il faut lancer des pierres, on le fera. Mais nous allons exiger ce qui nous revient de droit. Parce qu'aujourd'hui, il est hors de question que l'on paye des impôts comme tout le monde, que l'on participe au remboursement de la dette du Sénégal et qu'il n'y ait pas des choses qui existent ici à Gnome alors qu'ailleurs il y en a. Vous allez dans de petites communes comme Agnam, vous trouvez un hôpital de niveau 3. Vous venez à Gnome, vous avez un centre de santé qui n'a que des paracétamol. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons plus accepter. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a, d'abord des doléances que nous exigeons à l'État, parce que ce n'est plus du ressort de l'État, équiper un hôpital, relever le plateau technique de l'hôpital, envoyer des médecins spécialistes à Gnome, ça ce n'est plus du ressort donc, de la commune. Évidemment, peut-être que le plaidoyer doit être porté au niveau de la base. Si les autres ne peuvent pas le faire, si l'équipe mineure ne peut pas le faire, Gnome debout le fera. Que l'on gagne la mairie ou qu'on ne gagne pas, c'est un plaidoyer, c'est un combat que nous allons mener jusqu'au bout. C'est pourquoi pour nous, je le rappelle encore, qu'il y a un certain nombre de choses que nous réclamons. Aujourd'hui, l'État a lancé différents projets et programmes qui sont en train de faire des merveilles ailleurs. Mais qu'est-ce que ces programmes-là ont fait ici? Comment voulez-vous qu'on dise qu'on crée des programmes comme Puma qui n'interviennent que dans la zone dans des zones frontalières? Aujourd'hui, la région de Sédiou est une région frontalière à travers le département de Gnome. Et que quand Puma vient, Puma
focalise toutes ses interventions dans l'autre partie de la région, alors que le département qui constitue réellement la lisière entre le Sénégal et la Guinée n'en bénéficie pas. Regardez le programme des domaines de PRODAC, les domaines agricoles, agricoles communautaires, les DAC. Mais ils sont tous concentrés aussi dans le département de Sidiou. Mais qu'on nous dise bon sang, et je le répète encore, si on ne fait pas partie du Sénégal, qu'on nous le dise. Nous, on est prêts à aller négocier avec la Guinée pour aller là-bas. Mais si on fait partie du Sénégal et que nous participons, qu'on nous donne ce qui nous revient. Et ça, nous le réclamons et nous l'exigeons. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir installer dans ce département-là pour nous permettre donc de réaliser ce que nous voulons. Et donc c'est un peu ce que je voulais dire. Pour vous dire, il y a un certain nombre de choses. Vous savez, aujourd'hui, quand vous n'avez pas de recette propre, vous n'avez pas de recette propre dans une commune, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le fonds de dotation, quand il vient, on définit déjà ce qu'on doit faire avec cet argent-là. C'est le salaire du maire, c'est pour prendre le carburant, le fonctionnement de tel ou tel service. C'est comme ça le fonds de dotation. Le fonds d'équipement cible aussi des secteurs, on vous dit c'est pour construire deux salles de classe, pour faire ceci, et ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas de fonds propres, comment voulez-vous développer? Alors que Gouromp est une commune, capitale départementale, le département a 15 collectivités territoriales, plus le département fait 16. Vous n'avez pas un service du trésor, vous n'avez pas de perception. C'est la seule région au Sénégal où une perception gère 47 collectivités territoriales. Ce n'est pas sérieux. C'est un manque de respect notoire pour les populations de la région de Sédiou. Et nous, on ne peut pas l'accepter. Je crois qu'il y a une frange de jeunes aujourd'hui qui est rebutée par cette façon, par le traitement que l'on fait à notre département, à notre région. On ne peut pas. Avec 15, regardez, je vais vous donner, je ne vais pas aller plus loin. Je prends seulement l'exemple Oussouy. Et à 30 km de Ziguinchor, il y a une perception. Bignonon, et à 15 km de Ziguinchor, il y a une perception. Comment pouvez-vous penser, alors que nous, entre Sidiou, notre capitale régionale, avec Gounoum, il y a une barrière naturelle qui nous empêche d'y aller. Il nous faut une journée pour aller à Sidiou et qu'on n'installe pas une personne. Alors que nous avons 15 collectivités. Oussouy n'a que 6 communes. Nous avons 15 et pourtant il n'y a pas de perception ici. Comment vous avez déjà vu un seul élément de trésor? Moi je défie qui osera lever et démentir cela. Jamais de l'histoire du Sénégal, un seul élément de la perception de Sidiou n'est venu à Gounoum pour un recouvrement. Comment voulez-vous qu'on travaille dans ces conditions-là? Ce n'est pas sérieux et nous le dénonçons. Et donc voilà ce que nous nous réclamons. Je pourrais continuer la liste pour vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent exister ici. Nous sommes une partie intégrante du Sénégal, il faut qu'on nous respecte. Si les autres n'osent pas lever leur voix, nous on va le faire et on le fera de la plus belle manière.